On reste dans la ville de Casablanca où a été arrêté mercredi un Marocain résident en France qui voulait embarquer ses fillettes pour faire le djihad et combattre dans les rangs de Daesh. Je vous en parlais hier, cet homme a été arrêté à l'aéroport de Casablanca en compagnie donc de ses deux filles âgées de 2 et 4 ans ainsi que d'une jeune femme de 19 ans, une Marocaine avec laquelle il aurait contracté un mariage coutumier. La mère des enfants n'était visiblement au courant de rien. Son témoignage est à lire sur le site le360.ma. L'homme chauffeur de poids lourd devait prendre l'avion pour la Turquie. Son nom est apparu dans les interrogatoires menés par la police marocaine de la cellule terroriste démantelée le 14 août dernier à Fnidek, qui se chargeait d'envoyer des candidats au djihad en Irak et en Syrie.